Les autres méthodes de relaxation.
relaxation que tu désires. Beaucoup de gens qualifient ça comme quelque chose de bizarre. Mais comme toute nouvelle chose sur Terre, et comme l'être humain a peur de l'inconnu, forcément, c'est bizarre. Mais si je te dis que 75% des gens sont déclenchés par l'ASMR, lorsqu'ils vont au coiffeur, à la coiffeuse, ou que le coiffeur décide de masser la personne. Vous savez, le petit bain là qu'on prend avant d'aller chez le coiffeur. Beaucoup de gens ressentent l'ASMR à ce moment-là, des frissons, un bien-être. On sait pas pourquoi ça nous relaxe. C'est de l'ASMR. Mais c'est pas plus bizarre. C'est comme ça. Imaginez-vous, à l'époque, lorsqu'ils mettaient des aiguilles dans le corps pour se détendre, c'est pas bizarre ça, pourtant ça marche super bien, on appelle ça l'acupuncture, c'est bizarre, mais ça marche, personnellement je ne ferais pas, ça a l'air de faire mal, mais bon.
cachée par les bruits de voiture. Par les grosses voitures, les gros cylindrés. Je trouve ça très agréable. Chacun son. Son univers, j'aime bien. Et ça qui est chouette avec l'ASMR, c'est que c'est tellement imprévisible que ça n'est forcément agréable. Donc si tu ne connais pas l'ASMR, parce que c'est pas quelque chose que tu vas crier sur tous les toits. C'est pas quelque chose que tu vas dire « Waouh, hier j'écoutais l'ASMR mec », tu vois. Mais par contre, c'est un petit peu comme ton petit coin à toi, où tu sais que tu vas te retrouver tous les soirs. Et après une journée de travail ou autre, tu sais que je serai là pour te relaxer et te détendre. Tu comprends? Espérant que cette vidéo t'a relaxé. Si c'est le cas, alors tu as un petit peu réussi ton examen pour entrer dans le monde merveilleux de l'ASMR. Et si malheureusement,